à de petits enfants qui, avec un ordre, ne jouent pas véritablement leur rôle des droits humains. À part cela, les femmes sont tuées par leur mari et ces dernières, les survivantes, ne bénéficient souvent des violences domestiques. La sorcellerie est féminisée, les femmes sont tuées par le peuple et d'aider les peuples à pouvoir. Et donc, chers honorables députés, je me dois ici de vous rappeler que ça fait des années que à donner des chiffres de manière exacte, des chiffres aujourd'hui sur cette route de Guiamba, je me rappelle c'est seulement 2 tourments. Donc l'exécution par le gouvernement, même en tant que vos élus, je l'ai dit souvent de la majorité. Et il nous arrive certaines questions qui pourtant la majorité, en fait, de ceux-là qui nous ont... Je l'ai dit souvent parce que, pour moi, c'est honteux. Comment peut-on comprendre une telle attitude? La majorité. Donc, je l'ai dit, le frais de participation à l'examen d'État, les députés, à dire que les parents devraient payer 25 $ une fois, 15 $, voter à l'Assemblée, mais plus tard, de manière estimée que 42,5 était autorité. Et on dit que la démocratie, c'est la... Merci donc, je demeure ouvert pour les échanges. Et je disais tout à l'heure que la démocratie, malheureusement, c'est la dictature de la majorité. Le collègue qui est intervenu disait, quand vous prenez 10 hommes de Dieu, qui ont de la formation. Et à côté, vous prenez les enfants de la rue qui sont à 20, les 20 votent. Lui disait que ce n'était pas la majorité parce que, à son avis, ils n'ont pas la formation requise. Malheureusement, je dois vous rappeler que chez nous, il n'y a pas de grands électeurs. Ma voix, moi, avec toute la formation que je peux avoir, équivaut à celle d'un enfant qui n'a pas eu la chance d'étudier comme moi, malheureusement. Et c'est à ce niveau-là que nous péchons quelquefois, parce que s'il faut réunir cette catégorie des gens, elle est prête à venir rapidement. Il faut seulement vous assurer d'avoir un sapiro ou un 2 000 francs de transport. On n'en faut pas suivre votre engagement. Oui, je vais y aller. Je continue à faire mon travail comme il se doit. C'est le premier engagement que je puisse faire. Donc, s'agissant des études qui ont été faites, nous en avons malheureusement jusque-là 3 qui ont été votées. Le collègue Omer est revenu, il y a d'autres propositions qui ont été faites, mais qui n'ont pas encore été débattues. Et sur le 3, personnellement, j'avais proposé 2. Il y a la proposition d'édit sur la fonction publique, qui a été proposé concomitamment avec l'honorable Kababili, dont nous avons été à 2 à faire cette proposition, et la proposition des 10 portant interdiction et nuisance sonore, qui sont 2 édits, en fait, avec celui qui a été proposé par le collègue Boubalama sur la protection des ondes subies, qui sont déjà votés. Nous attendons donc la promulgation. Et le collègue Chedati est là pour échanger. Nous avons des recommandations exécutives. Je ne veux pas juste transformer ce qu'a fait un échange entre moi et certains collègues qui rejettent même certaines des responsabilités au bureau. Par rapport au rapport, quand les bureaux de l'Assemblée mettent en place une commission, on a parlé de la commission blanche. On a parlé de la commission au maire ou chez nous. Il n'y a pas de signifiant. Mais par rapport au rapport de la commission, madame, Georges a dit, peut-être qu'il ne l'a pas dit de la manière dont je vais le dire maintenant, le problème, et je l'ai dit d'ailleurs, par moment, tout député, alors que nous sommes appelés à défendre, à plaider la cause de notre population, par moment, nous-mêmes, nous transformons à des blocages pour les opportunités de ces
de cette population. Un rapport pourri considéré pour l'honorable même lui le président de la commission, parce que c'est lui qui dirige la commission, c'est de l'honorable suite, malheureusement, si heureusement, je ne sais pas, il a été nommé ministre, et c'était lui qui avait pris la commande de la commission, mais malheureusement, il parle que le rapport est au bureau, mais je voudrais peut-être vous informer que nous n'avons jamais reçu ce rapport. En tout cas, je suis dans les regrets de vous le dire, parce que j'ai comme l'impression que quand on parle, on y a deux personnes, deux pays. Je n'ai pas le soupçon contrôle de là. Nous,